Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue à la quatrième conférence du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle. La conférence d'aujourd'hui évoquera le faste des palais romains et celui des fêtes publiques où l'art de la mise en scène, de la représentation est mis souvent au service d'un jeu diplomatique et politique. Nous verrons également que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le succès des salons privés témoigne de l'émergence d'une nouvelle forme de sociabilité. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos murs Madame Martine Boiteux, historienne, ancienne membre de l'École française de Rome et professeure à l'École d'études et sciences sociales. Ses recherches sur l'anthropologie culturelle de l'Italie. Ont comme thème principal la fête, le rituel et le cérémoniel dans la Rome de l'époque moderne. Parmi ces nombreux travaux, dont beaucoup sont publiés dans les collections de l'École française de Rome et consultables en ligne, je citerai le très bel ouvrage intitulé I luoghi della città, Roma moderna e contemporanea en français, c'est les lieux de la ville, hein, Rome moderne et contemporaine, et plus euh, récemment, euh, sa contribution à l'essai Les funérailles princières en Europe, Paris aux presses universitaires de Rennes. Avant de céder la parole à, à notre invité, que je remercie pour nous avoir fait l'amitié de venir jusqu'à Paris, puisqu'il vient de Rome, <laughs> je rappelle juste qu'une bibliographie sélective du cycle est consultable en ligne et téléchargeable depuis le site de la bibliothèque nationale à la rubrique découvrir et ensuite département philosophie histoire et sciences de l'homme voilà donc j'essaie d'interdire la parole à madame boiteux et je souhaite à toutes et à tous une très belle conférence Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce cycle bien intéressant que l'on peut écouter en ligne et voir en ligne aussi. Et donc, je commence tout de suite. Dans la première conférence de ce cycle, Gilles Bertrand terminait sur l'idée de la logique des réseaux savants qui est européenne et disait l'Europe, est la scène. Je partirai de cette affirmation pour montrer comment Rome est une scène européenne. Quels sont les lieux d'une sociabilité festive, les occasions, les commanditaires, les pratiques et les représentations et leur transformation. Posons le contexte de Rome, le XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Je vous présente un plan de Rome 1748 de Noli, où on peut repérer la ville de la grande tracée du nord au sud, place du peuple jusqu'à place de Venise, avec la Via del Corso, le grand lieu. Sur la à gauche, à l'ouest, c'est la ville la plus, le centre de la ville, le plus animé, et de l'autre côté du Tibre, le Vatican, avec Saint-Pierre. Donc, une, première, une nouvelle politique culturelle et le développement des musées. Le 4 octobre 1720, le pape Clément XI Albanie inaugure au Capitole, je vous montre une image du Capitole, la statue de Roma Triomphe France, qui est au milieu, au fond de sa niche. Acte symbolique qui a une double dimension. Un lieu, le Capitole, un objet, une statue de l'époque impériale. Qui témoigne de la qualité de beauté de l'Antiquité. La grandeur de Rome est appelée à revivre autrement. La fonction est aussi éducative. Rome, ville du pape, au double pouvoir, universel et local, religieux et civil, qui connaît une crise au XVIIIe siècle. Politiquement et diplomatiquement en déclin, elle conserve un rôle culturel important. Les papes du siècle des Lumières ont compris les données de la situation géopolitique. Ils n'ont pas joué de rôle politique ni diplomatique majeur, mais ont promu une politique de grandeur fondée sur la mise en valeur de Rome et sa mise en scène. Rome, dite Caput Mundi, puisque le pape est à la tête du christianisme universel, et théâtre du monde, ville cosmopolite et plurielle, où se retrouvent de nombreux étrangers pour des séjours plus ou moins longs. Diplomates et voyageurs du Grand Tour, artistes et écrivains, ambassadeurs et hommes politiques. Rome, ville du peuple, et aussi ville du peuple, attire car l'antiquité y est présente, mais aussi l'art contemporain s'y épanouit. La fête, la fête est une obligation à Rome et doit être autorisée par le pouvoir pontifical. Rome citée plurielle et conflictuelle, où tout est représentation, comme l'écrivait l'ambassadeur Vicfort. Avec les images qu'elle suscite, la fête est un support pour la communication des commanditaires, souvent l'ambassadeur, qui montre ainsi l'exercice du service du roi. La fête, entre dans la stratégie politique et ces images servent d'instruments de mémoire et de communication. La nécessité de la magnificence suscite une cérémonialité festive, spectaculaire, servie par des artistes italiens et étrangers qui utilisent les modèles romains avec des signes identitaires nationaux. Les commanditaires rivalisent sur la scène romaine. Scène européenne. Concurrence politique et émulation artistique caractérisent la politique festive à la recherche de la visibilité dans un contexte social caractérisé par un polycentrisme des cours aristocratiques, religieuses et civiles, un contexte territorial nécessaire car, comme l'écrivait Michel de Certeau, les événements festifs sont des productions culturelles localisables et concourent à la construction des lieux. Il convient donc d'analyser leur espace d'inscription dans la ville. La conférence Dans le contexte du cycle de la BNF, la conférence portera un regard privilégié sur les initiatives des Français, tout en les replaçant dans le contexte international romain, à partir des sources figurées et écrites, qui explicitent les créations artistiques éphémères visibles, mais pas toujours lisibles de loin, et ces descriptions diffusent la version officielle de l'événement. Je présenterai donc un parcours en images des initiatives croisées des ambassadeurs, depuis leur entrée officielle, les célébrations dynastiques, avec des spectacles théâtraux, musicaux et périphériques pyrotechnique, jeu et réception. Les supports des feux d'artifice sont des constructions éphémères, dessinées par de grands artistes et construites sur des architectures de bois recouvertes de toiles peintes. Considérer l'ensemble du siècle dans la longue durée permet de mettre en évidence les transformations de la sociabilité. Il s'agit de montrer l'évolution des rituels, considérés comme épiphanies du pouvoir, et l'évolution de leur signification, l'objectif des commanditaires et le regard des spectateurs et commentateurs, les occasions et les lieux, et le déploiement des constructions éphémères, prestigieuses et allégoriques. La représentation devient le substitut du réel. Nous verrons comment les salons s'imposent dans la sociabilité. Concentrons-nous dans un premier moment sur les initiatives croisées des ambassadeurs, la stratégie diplomatique et politique d'une diplomatie que l'on peut dire culturelle de l'éphémère. La concurrence et l'émulation cérémonielle résident surtout entre la France et l'Espagne, pour le service du roi, et qui se joue sur le plan artistique, les artistes et musiciens sont les mêmes, et sur le plan politique au service des trois fonctions de l'ambassadeur, représentation, information, négociation. Le commanditaire, euh, l'ambassadeur, pour lequel il s'agit d'assister, de participer, d'initier. Les caractéristiques essentielles de la vie mondaine et culturelle pour l'ensemble du siècle sont, je le rappelle au début parce que je n'y insisterai pas beaucoup, la musique d'une part depuis euh, le cardinal ottoboni au début du siècle jusqu'à l'ambassadeur bernice à la fin du siècle d'autre part le jeu public avec une image de euh, panini sur euh, la loterie de montecitorio qui était euh, ti, euh, tirée tous les jeudis et aussi le jeu dans les salons privés nous le verrons comme nous étudierons les salons Voyons d'abord les entrées officielles des ambassadeurs, qui sont tenus de faire une entrée officielle et d'aller en cortège présenter leurs lettres de créance au pape. Et souvent, ils commandent des tableaux mémoriels commémoratifs de l'événement. Ici, Panini, Gian Paolo Panini, euh, représente le départ, puisque c'était l'arrivée et le départ des ambassadeurs de Choiseul en 1754. Je vous montre un détail où l'on voit son carrosse et les carrosses sont très importants. dans ces, Ce sont des constructions très élaborées par des architectes de renom et des objets de luxe. Vous voyez une gravure de Panini consacrée spécifiquement à un carrosse et ici un carrosse qui est représente l'océan qui était un carrosse cérémoniel de l'ambassadeur de Portugal qui fait son entrée en 1716. Voyons maintenant les célébrations dynastiques des mariages, naissances, funérailles, princiers et royaux. Pour des raisons notamment biologiques et aussi politiques, ces cérémonies sont plus ou moins nombreuses selon les États. À l'occasion des naissances et des mariages, Événements joyeux et prometteurs d'avenir, les rites sont identiques, certes plus ou moins développés. Spectacles théâtraux, musicaux et pyrotechniques, jeux, réceptions, parfois des courses de chevaux qui sont le signe du carnaval romain. L'utilisation de décors importants et de structures architecturales éphémères pour les machines des feux d'artifice est présente jusqu'au milieu du siècle. Après une Continuité depuis le XVIIe. Les funérailles commémoratives des souverains en l'absence du corps se font dans l'église nationale, parée depuis la façade et tout l'intérieur, avec un imposant catafalque, le tout représenté sur des gravures. C'est un rituel de majesté sur lequel je ne m'attarderai pas, faute de temps. Voyons les réalisations des ambassadeurs. Alors il faut commencer, pour le contexte romain, par les ambassadeurs espagnols qui sont présents sur la scène. Bien sûr, c'est une continuité depuis le XVIIe siècle, mais le cycle étant consacré au XVIIIe, je me tiens au XVIIIe siècle. Donc, les Espagnols sur la place d'Espagne se trouvent le palais de l'ambassade et résidence de l'ambassadeur également depuis la, le XVIIe siècle, et cette place a été appropriée par les Espagnols contre la France. À la fin du XVIIe siècle, cette appropriation est nette. Et c'est là où les Espagnols fêtent les naissances, les mariages et les anniversaires. Premier exemple, donc 1721, pour l'anniversaire de la naissance du roi Philippe V et le mariage du prince héritier avec une princesse française. Vous voyez ici une, grave, une gravure de la machine de l'architecte Paradisi pour le feu d'artifice et sur lequel on peut remarquer dans l'ornementation des figures des quatre parties du monde en référence à la domination coloniale territoriale espagnole. Et sont assises aussi les nations françaises et espagnoles et bien entendu présence des couronnes espagnoles et françaises. De chaque côté, il y a deux colonnes avec des emblèmes espagnols. Deuxième exemple espagnol, 1727, pour la naissance de l'infant héritier. Une construction éphémère devant l'ambassade sur invention de Sebastiano Conca. Une gravure de Filippo euh, Vasconi. Dans le Temple de la Gloire, ici vous voyez une peinture de Panini où on voit le temple de la gloire sur la gauche, sur une colline surmontée d'une fama ailée sonnant sa trompe pour annoncer l'événement. Et on voit sur ce, cette montagne Tétis, déesse de la mer, sur son char qui confie son fils Achille au centaure Chiron. Devant la porte, la gloire tient une couronne dans sa main droite et au pied, une fiction de la mer où nagent tritons et sirènes. À droite, l'océan et un fleuve qui rappelle la domination euh, coloniale de l'Espagne. Deux passages sont laissés sous la machine pour euh, non ça c'est on est déjà à la suite. Deux passages étaient laissés pour euh, le, le passage des piétons et des carrosses. En 1728, je vous présente cette image de 1728. Le double mariage croisé des princes espagnols et portugais. Et également célébration de la guérison du roi d'Espagne. L'inventeur comme on dit et l'architecte, c'est Nicolas Nicolo Salvi qui est celui qui a réalisé la fameuse fontaine de Trevi à Rome. Et ici vous avez une gravure de Filippo Vasconi d'après un dessin du toujours Panini. Qui est un grand spécialiste de la vie mondaine, de la représentation de la vie mondaine. De chaque côté du portique, les deux statues de l'Espagne et du Portugal surmontées des deux blasons entourés de drapeaux. Au centre, le portique, le portique d'Hyménée, entouré de deux génies ailés avec des cornes d'abondance et tenant dans sa main droite sceptre et couronne. Et elle donne les faisceaux nuptiaux. À Castor et Pollux, qui symbolisent les deux époux, faisant allusion à la paix, à la concorde. En dessous, deux chevaux et quelques amours. En dessous, au milieu, Amour est assis sur un globe, c'est toujours la domination sur le monde, et donc au pied d'Hyménée. Et il est surmonté d'une fama volant, comme toujours, sonnant sa trompe. C'est une figure familière, la fama, sur toutes ses représentations. Tout en haut de la machine, Apollon et les muses toi Une autre gravure du même auteur montre l'environnement de la machine dans la place et situe donc le, la, la, le feu d'artifice dans le paysage urbain. On voit clairement la construction éphémère au centre, les aménagements des loges sur la façade du palais de gauche, censé être l'ambassade, qui est recouverte, donc on ne peut pas le reconnaître, et à droite, on aperçoit l'escalier de la Trinité des Monts en dessous de la machine à droite, et l'artiste s'est ingénié à le représenter pour bien montrer que quand même, on domine euh, l'escalier, les Espagnols dominent l'espace, c'est clairement dit. Et puisque cet escalier est à peine achevé en 1728 et il a été payé par la France, la grande machine se déploie sur toute la largeur de la place et c'est un grand temple sur des nuages qui ressemble à la coupole et au clocher de la très proche église Sant'Andrea delle Frate qui est l'église du couvent des Minimes. Les Minimes, ce sont les mêmes que à la Trinité des Monts et c'est le, le couvent à Saint-Andréa, le, le couvent où il y a la, la partie dirigeante de l'ordre qui est euh, remplie d'Espagnols. Toujours l'aspect euh, domination des Espagnols et par, le, le souhait de se démarquer des Français, bien entendu. Il y a, existe également une peinture toujours du même panini, qui représente donc en couleur cette grande cérémonie. Nous retrouvons toujours cette compétition français et espagnole. Ce feu d'artifice était très long, trois quarts d'heure, disent les sources, ce que ne manque pas de souligner les récits. Alors passons à une, troisième, une dernière image sur les initiatives de l'ambassadeur espagnol en 1738, une fête pour le mariage de Charles III. Bourbon, roi de Naples, mais fils d'Elisabeth Farnèse, qui est l'épouse du roi d'Espagne, avec Marie-Amélie de Saxe, sur invention de l'architecte du roi Ferdinando Fuga, et une gravure que je vous montre de Miguel Sorello. Vous voyez en haut la gravure et en bas le dessin à la plume. Ce qui monte et le dessin est à l'envers pour que, évidemment, la gravure soit à l'endroit. Vous avez donc là le travail euh, des dessinateurs et des graveurs. La fête célèbre la paix avec l'Empire d'Autriche, dont fait partie la Saxe, patrie de l'épouse le commanditaire l'ambassadeur espagnol est aussi ambassadeur du royaume de naples et il parle d'un jardin pour décrire sa machine un jardin orné de plantes et de fontaines avec un temple dédié à parthenopée ce qui est le premier don de naples antique et la statue de naples trône au milieu en figure de nymphe couronnée de fleurs tenant en main une corne d'abondance pleine de fruits Allégorie à un mariage fécond, et de l'autre un bouquet d'épis, allégorie à la fertilité des champs et à la richesse du royaume. Sur le piédestal, une sirène évoque la ville maritime de Naples. La machine devant le palais de l'ambassade présente une balustrade et quatre obélisques surmontés de, grands, de globes lumineux. Au centre. Un grand temple avec colonnes et coupole, avec en son centre une statue dorée de jeune femme où est écrit Parthénopée. La machine est donc dédiée à Naples. La place était barrée contre le trafic et le palais largement illuminé comme toujours. Passons aux ambassadeurs français comme commanditaires. Et tout d'abord, le mariage de Louis XV. En 1725, celui dont la naissance n'a été saluée en 1710 que par quelques illuminations et un tédéum, devenu roi se marie avec la polonaise Marie Lexinska. Il s'agit de souligner cette alliance. Pour l'occasion, le cardinal de Polignac, ambassadeur, prépare des fêtes importantes. Elles s'ouvrent, comme toujours, par un tédéum de grand apparat dans l'église nationale de Saint-Louis des Français beaucoup de princes romains illuminent leur demeure ainsi que tous les ministres et ambassadeurs étrangers excepté l'espagnol ce dont Polignac va se rendre compte Vous voyez là il y avait eu des projets de mariage avec des espagnols mais finalement c'est avec une princesse polonaise qu'il se marie donc les espagnols n'étaient pas forcément très contents le second jour est consacré à des concerts symphonies et cantates offerts euh, par Polignac à ses invités dans sa résidence du palais Altemps. Dans la cour du palais illuminé, un théâtre a été dressé pour les 120 instruments prévus. La toute proche place Navone est préparée pour accueillir le feu d'artifice, retardé en raison du mauvais temps et qui éclate sept mois plus tard. Le cracasse, journal de Rome, donne un écho de la fête, décrite également comme toujours, dans une relation publiée qui est illustrée. L'architecture du feu d'artifice reprend les modèles classiques. Vous avez une gravure qui vous présente le euh, feu d'artifice de, ce, de cette fête. L'aménagement est limité au nord de la place car les Espagnols, qui ont leur Église nationale au sud, refusent qu'il y ait des Français au sud de la place. En plein jubilé 1725, la mythologie triomphe sur cette machine. Le thème est inspiré de la fable d'Apulé et réalisé sur un dessin de Getzi par l'architecte Crecolini. De la gravure anonyme que je vous présente, existait une première ébauche qui avait été refusée car Jupiter semblait trop évocateur de domination. Ce qui montre d'ailleurs le contrôle ou la censure exercée par le pouvoir pontifical. Sur l'Olympe sont représentées les noces de Cupidon et Psyché, évoquant celles de Louis XV et Marie Lexinska. En haut, Jupiter sur l'aigle. En dessous, Vénus sur son char, tiré comme toujours par des colombes. En dessous, Amour et Psyché, qui tient en main la tasse de nectar de l'immortalité apportée par Ganymède. À la même hauteur, Pallas et sa lance, sur les nuages, Apollon et sa lyre, en dessous, deux satyres qui jouent. Dessous, au milieu, deux génies ailés. Sur le socle, un au milieu, un amour étend ses deux bras, sur les armes de la France et de l'épouse polonaise. Et de chaque côté, les deux fleuves, la Seine à gauche avec un cheval et la Vistule, avec un ours à droite pour les deux capitales des époux. La peinture, les peintures avaient été réalisées par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Maria, les ins, Maria Clementina Sobieski, petite fille du grand roi de Pologne Jean Sobieski et femme du prétendant catholique au trône d'Angleterre Jacques III Stuart, tous deux en exil à Rome, n'oublie pas ses origines polonaises. Et c'est elle qui avait poussé notamment l'ambassadeur à donner ce spectacle musical. Elle adorait la musique. Et elle honore la représentation de sa présence. Passons au, à la fête de 1729, la naissance du dauphin, destinée à montrer la continuité et la légitimité dynastique. Les célébrations se multiplient à Rome en 1729. C'est certainement la fête la plus grandiose du siècle, caractérisée par la diversité et le nombre des événements, par son développement spatial, par le choix des thèmes, par la magnificence somptueuse de la réalisation. Tout l'espace romain célèbre cet important événement. D'abord, un Te Deum, comme toujours, chanté à Saint-Louis ainsi qu'à la Trinité des Monts les églises françaises, pour les fêtes publiques. Et puis, les fêtes publiques se préparent. De 26 au 30 novembre, le fastueux cardinal de Polignac, serviteur toujours attentif de la politique de la France, organise la célébration avec d'autant plus d'ampleur que le pape lui a fait attendre l'autorisation de faire ses fêtes. Quatre ans après les fêtes du mariage, les fêtes de la naissance ont une ampleur Beaucoup plus grande, dont témoigne la correspondance de l'ambassadeur qui fait sa publicité, et en, euh, correspondance envoyée au ministre des Affaires étrangères à Paris. Il charge l'italien Ghezzi, toujours le même, de l'ordonnancement de la cérémonie prévue dans sa résidence et sur la place Navone voisine, centre actif de Rome, annexée comme un parvis de son palais les préparatifs durs prolongés également en raison du mauvais temps on est au mois de novembre finalement deum chanté à Saint-Louis des Français sous la présidence de Polignac bien entendu et comme en 1725 il reçoit dans son palais dans la cour pour une cantate la comtesse de Inoumi il doit y avoir ici voilà l'image de la cour où se tient ce concert, c'est une cantate de métastase mise en musique par Leonardo da Vinci, auteur important à l'époque, et représentée donc dans cette cour transformée en théâtre avec des décors qui reprennent les précédents de quatre ans plus tôt. Là encore, les images mémorielles sont exécutées à la demande du commanditaire gravure que vous voyez de Vasconi d'après un dessin de Colonelli Chiara, Et également deux aquarelles. Ça c'est la brochure, parce qu'il y a toujours une brochure imprimée de la cantate. Et ici vous avez les deux aquarelles mémorielles de la cour dans les deux sens de la cour. Et on voit la scène et de l'autre côté. Euh, ces deux aquarelles avaient été commandées par l'ambassadeur à Francesco Nicoletti, l'architecte des Doria ponfili La ville entière est impliquée. La Rome devient française. Le cardinal Ottoboni, protecteur des affaires de la couronne de France, s'associe à la célébration et offre dans son palais de la chancellerie une réception et un opéra à machine, ça, ce sont les images toujours que je vous montrais. Ça, c'est le livret de l'opéra à machine Charlemagne, Carlo Magno, dont euh, la version imprimée, illustrée, est envoyée au roi et avec des illustrations, notamment de Conca, Trevisani, Michetti, Vasconi, qui fait les gravures. Et Valesio en parle dans son journal en disant que euh, pour ces fêtes, l'originalité résidait surtout dans la présence des courses de chevaux notifiées au peuple romain comme pour un vrai carnaval. Je vous montre quelques images de ces courses, une image de Sanbi un peu plus tard, parce qu'il n'y a pas d'image des courses offertes par l'ambassadeur Polignac. Mais pour vous donner une idée, je montre là le départ des courses place du peuple. Ici, vous voyez à la fois les, la, le, le parcours sur le corseau de ces courses de chevaux qui courent seuls, vides, comme on dit, sans euh, cavalier. Et en bas, vous avez une gravure d'Alan qui montre l'arrivée où on mettait un grand drap pour bloquer les chevaux et ensuite on faisait parcourir le corseau par le cheval victorieux. Alors, euh, revenons donc à la place Navonne pour le grand feu d'artifice qui éclate finalement le 30 pour la clôture des cérémonies. Et c'est la scénographie faite par Gedzi. À la fois peintre, dessinateur, caricaturiste bien connu à Rome, et qui reprend le schéma du décor avec la spina qui était au milieu du cirque que les Espagnols avaient utilisé Place d'Espagne en 1681. C'est le moment où il domine l'ensemble de la Place d'Espagne. C'est leur première grande fête sur l'ensemble de la Place d'Espagne et le même modèle est repris pour la place Navonne en 1729. Ici, une gravure de Piccini à partir d'un dessin de Colonel Lichiara. Et Piccini était responsable de tout, toutes les petites figurines aussi. Et vous avez ici une gravure de Colonel Lichiara qui est conservée au British Museum et qui euh, énumère... Toutes les constructions éphémères en dessous, qui sont évidemment à la gloire de la France. Et alors, le, euh, à ce moment-là, la place Navonne, qui est l'ancien stade de Domitien, était interprétée comme un cirque. Et c'est pour ça qu'on faisait la spina au centre, où il y avait toutes ces constructions éphémères, comme dans euh, les cirques antiques, avec la spina autour de laquelle couraient les chars. Alors, la place Navone a été choisie par Polignac pour des raisons de commodité, parce que c'est proche du palais, mais aussi pour la valeur symbolique de ce centre dans la ville et pour mieux prendre sa revanche contre les Espagnols et leur enlever le monopole revendiqué de l'usage cérémoniel de la place. Le tableau de Pagnini, conservé au Louvre, montre bien en couleur le décor et euh, on voit aussi je vais vous montrer un détail, on voit Polignac qui reçoit, en habit noir, qui reçoit ses invités, notamment le, prince, le prétendant au trône d'Angleterre, Jacques III Stuart, et ses deux fils. Je crois qu'il y a un autre détail qui montre aussi comment sont euh, précises ces petites figurines. Donc tableau mémoriel qui permet perpétue le euh, souvenir de cette grande cérémonie. Et également en 1732, une gravure de Cochin le Jeune faite en 1732, donc faite à Paris, à partir du tableau de Panini et qui détaille très bien. Vous voyez les constructions avec des arcs de triomphe, avec une quantité de dauphins, puisque c'est la fête de, pour le dauphin, et les deux colonnes, les colonnes Trajane et Antonine, qui ont été transformées à la gloire de la France, avec les statues non plus de Saint-Pierre et de Saint-Paul, mais les statues des grands rois de France fondateurs, Saint-Louis et Louis XIV. Donc c'est vraiment la France qui domine Rome. Des musiciens avaient été installés sur la place, une profusion de candélabres qui éclairent à Giorno la fête, nocturne, la fête nocturne. Et les feux d'artifice durent deux heures, dit-on, ce qui est exceptionnel et peut-être pas tout à fait réel. Et des gradins avaient été construits qui simulaient le stade antique. Qui étaient élevés pour accueillir les hôtes. Et également avaient été construites des fontaines qui offraient du vin en abondance au peuple venu admirer la merveille. C'est euh, donc l'annexion de la grandeur de Rome dans son espace et dans son histoire, avec la reprise des grands symboles de la rancune antique et chrétienne qui doit rejaillir sur la dynastie française dont on rappelle l'histoire avec les grands rois fondateurs. Le même modèle scénographique sera utilisé en 1811 dans le même lieu par Giuseppe Valadier, chargé de préparer les fêtes pour le célébrer le baptême et non la naissance du roi de Rome, fils de Napoléon, en 1811. Ce qui montre comment souvent la grande continuité cérémonielle passe par les artistes qui, bien qu'Italiens, créent la fiction d'une Rome française. Passons maintenant à une autre fête. 1744, la guérison de Louis XV, une nouvelle occasion et cette fois c'est au siège de l'académie de france à rome la façade du palais mancini sur le corso est illuminée et décorée et sous le portique a été construite une machine éphémère le temple de la santé avec la déesse hygie et le dieu de la médecine esculape avec des statues de vertu, des médaillons symboliques qui ornent la construction. Malgré la qualité de la décoration, cette fête ne fut donnée qu'une seule fois en raison de l'opposition de Canillac, auditeur de Roth, qui faisait fonction d'ambassadeur à ce moment-là et au grand déplaisir du public, raconte le directeur de l'Académie, Jean-François de Troyes. Cette renaissance du roi est également célébrée comme il se doit. Par un tédéum à l'église nationale et par l'illumination pendant trois jours des églises françaises et des demeures des Français de Rome. Également par Canillac qui offre un concert. Passons maintenant au mariage de ce dauphin, tant fêté en 1729. En 1745, il se marie. Cette fête inaugure. Là, vous avez un tableau de Panini qui est conservé à la Fondation Chrysler des États-Unis et qui était venu récemment à Rome, je l'avais fait venir, lors de la grande exposition euh, il y a quelques années au Palais Farnèse. Cette fête inaugure les séjours éphémères des ambassadeurs au Palais Farnèse empruntés pour ces occasions. Le président de Brosse, en voyage à Rome dans les années 38-40, souligne l'état d'abandon du palais. Les appartements sont tous démeublés. Il n'y reste que les quatre murailles garnies de quelques peintures et d'une infinité de sculptures. C'est la collection Farnèse qui partira en 1784. Il n'y reste que, toutefois, le palais est régulièrement fréquenté par les artistes qui viennent étudier les œuvres. Et certains artistes y habitent pour des séjours plus ou moins prolongés. C'est donc un foyer de rencontres et d'activités artistiques. En 1745, monseigneur de Canillac, chargé d'affaires, prépare les cérémonies en l'honneur du mariage du dauphin avec l'infante espagnole Marie Thérèse. Le nouvel ambassadeur, la Rochefoucauld, est arrivé, mais il n'a pas fait son entrée officielle. Donc, il ne peut pas présider les cérémonies de célébration. Et il ne ménage pas ses éloges pour Canillac qui met tout son zèle au service du roi. Les fêtes s'ouvrent, comme toujours, par un tédéum à l'église nationale, et, euh, en, et cette, ce tédéum est suivi par une réception par l'ambassadeur amba, espagnol dans son palais, puisque l'épouse est une espagnole. Pour la fête nocturne, donc, le roi de Naples, parent de la jeune épousée, qui est propriétaire du palais Farnèse, a prêté le palais. Le choix n'est pas de pure commodité, mais aussi symbolique, puisqu'il marque l'alliance entre les deux couronnes, française et espagnole, tout en valorisant le caractère français de la célébration, en utilisant la mémoire des ambassadeurs français qui ont habité le palais Farnèse au XVIIe siècle. Illumination, musique et rafraîchissement abondent sur la place pour le peuple et à l'intérieur pour les invités. La fête doit célébrer l'union de la France et l'Espagne. Aussi, le cardinal Aquaviva, ambassadeur du roi d'Espagne, accueille le sacré collège, tandis que le représentant du roi français fait les honneurs d'une salle réservée à la noblesse. Le second jour, le pape vient admirer les décors et bénir la foule du euh, balcon. La relation envoyée à Paris. Souligne l'insigne honneur fait à la France avec cette visite du pape, qui recommande le pape de prolonger la fête pour que les femmes, les dames, comme ils l'ont dit, profitent d'un si beau décor. Conseil suivi, puisqu'après le feu d'artifice et, et le départ des cardinaux, un bal est ouvert qui dure jusqu'au matin pour le grand plaisir de la noblesse étonnée et ravie de ce divertissement inattendu. Pour le, la construction de la machine pyrotechnique que vous voyez sur l'image, les artistes les plus réputés de Rome ont été appelés à intervenir. L'architecture éphémère est construite, comme toujours, sur une structure en bois et des sculptures de stuc, le tout peint, pour donner l'illusion d'un monument réel. Le thème illustre l'union d'amour et Hyménée euh, dans le temple de Minerve. L'invention est de l'architecte Giuseppe Panini, dont le père, Gian Paolo, est chargé de peindre l'image que vous avez sous les yeux. C'est vraiment le peintre officiel de la vie mondaine de Rome dans ces années. Et... Euh, elle le, il s'attache dans sa peinture au vécu festif et aux anecdotes, peut-être plus qu'à la précision de la construction architecturale, ce qui explique aussi l'aspect inachevé du tableau, qui pourrait aussi être la préparation de la fête et pas la tenue de la fête. Une autre gravure de Louis Joseph Le Lorrain est distribuée le jour même de la fête. Mémoire officielle de l'événement, elle insiste sur la machine construite, la décoration et les acteurs. Le graveur choisi est un Français, graveur, peintre, décorateur et architecte. Le Lorrain est en effet pensionnaire de l'Académie de France et il a déjà travaillé pour des architectures éphémères, en particulier la kinéa, et je vous montre l'image qu'il grave euh, quelques jours, cette fête se tient quelques jours après la fête du mariage et vous voyez qu'il y a une reprise de la même architecture. D'ailleurs, les deux architectes se vendaient les structures en bois pour construire la nouvelle machine de feu d'artifice recouverte d'autres de, de, toiles peintes pour célébrer euh, un autre thème et également existe de cette fête un, une image sur un, un éventail qui a été peint euh, réalisé à partir du tableau de Panini mais peut-être c'est aussi une création originale qui reprend le décor de ce fait d'artifice et en arrière-fond on voit, comme sur les, les gravures ou sur le tableau de Panini, on voit la façade du palais Farnèse. En 1747, le dauphin, qui est devenu feu, se remarie avec Marie-Joseph de Saxe, fille du roi de Pologne. Pour célébrer l'événement et publier l'alliance, l'ambassadeur cardinal La Rochefoucauld, qui entre-temps a fait son entrée officielle, célèbre l'événement tédéum à Saint-Louis, l'église nationale, et puis il invite également à une somptueuse représentation, première cérémonie fastueuse dans le théâtre Argentina, qui a été ouvert en 1732, quelques années auparavant, et situé en face de la résidence de l'ambassadeur, le palais Cesarini. Qui a été démoli au moment euh, du fascisme pour faire des fouilles sur, sur l'emplacement du Largo Argentina, pour ceux qui connaissent Rome. La salle a été décorée par le fils Giuseppe Panini et représentée donc par le père Gian Paolo, et qui fait preuve de son habituelle minutie descriptive, tableau qui est conservé au musée du Louvre. On peut reconnaître des spectateurs invités. Comme par exemple le roi, toujours le prétendant au trône d'Angleterre, Jacques III Stuart, qui est subvoyé sur la gauche dans les loges, la troisième loge, dans une triple loge. Et en revanche, son fils, qui est devenu le cardinal d'York, qui est sur la droite de la scène, assis en, à côté de l'ambassadeur. Et un album du Beatri, qui est conservé au British Museum montre les. Ça, vous voyez des, dé, des détails de la peinture de Panini et la précision de, euh, de la figuration. Et ça, c'est l'album de dessins préparatoires conservé au British Museum, toujours les dessins de Panini, je crois que. Non, voilà. Et. Euh, la décoration éphémère, fastueuse, utilise à profusion les emblèmes royaux, les listes de France, et les nombreux invités reçoivent, outre euh, des rafraîchissements, ce qu'on voit aussi sur les mages, ils reçoivent aussi le texte de la composition dramatique de Scarcelli, illustré par des gra sept gravures de Claude Olivier Galimard, lui aussi pensionnaire de l'Académie de France à Rome. La représentation est donnée trois fois et elle est honorée d'une visite du pape Benoît XIV. Et la salle illuminée restera ouverte un jour entier librement ouverte au public. Passons maintenant à la dernière grande fête en 1751 pour les Français. La naissance du dauphin, duc de Bourgogne. Le duc de Nivernais, alors ambassadeur de France, participe à la vie romaine dès son arrivée. Il n'apprécie pas particulièrement de devoir aller au palais Mancini, qui autrefois était propriété de ses ancêtres et actuellement résidence de l'Académie de France. Mais il reçoit volontiers dans sa résidence du palais de Cesarini, le même où était la Rochefoucauld. Le, en effet, les euh, Français, au contraire des Espagnols, jusque au, non, pendant tous ces siècles de l'époque moderne, n'ont pas de palais attitré de résidence. Donc ils changent de résidence selon les ambassadeurs. Le pape Benoît XIV fait compliment de ces célébrations dans sa correspondance. Pendant le carnaval, puisque c'est le moment du carnaval, les invités du duc ont été toute noblesse mêlée aux cardinaux, princes et princesses, et dames titrées, comme on dit, sans aucun différend. Chose vraiment merveilleuse à Rome, à cause de la différence des rangs. Ça, c'était les paroles du pape dans sa correspondance. Donc, le saint, le, en 1751... Le euh, Nivernais avait fait son entrée officielle, cérémonie coûteuse que ne faisaient pas tous les ambassadeurs. Parfois, ils s'en dispensaient parce que ça coûtait vraiment très, très cher. Et alors, il peut donc préparer les grandes festivités pour la naissance de ce premier fils du dauphin. Fête d'autant plus attendue que l'année précédente, 1750, était le jubilé. Et avait connu d'autres types de réjouissances plus religieuses. Également, la pluviosité de l'hiver avait limité le carnaval. Donc, c'est en, en fait comme un carnaval. Ah, je vous montre les courses. Voilà, parce que ces cérémonies, elles, en plus des trois jours prévus pour les fêtes, L'ambassadeur se préoccupe des notabilités romaines et étrangères à Rome, mais aussi ouvre largement les portes au public, chacun ayant sa place réservée dans le palais, bien entendu. Le programme dépasse largement le cadre habituel des célébrations dynastiques par la diversité des jeux proposés et des lieux impliqués. Comme toujours, Tédéum à l'église nationale. Euh, qui a été décoré par Panini en présence, dit-on, de 25 cardinaux et du prétendant au trône d'Angleterre, toujours présent, c'était un ami d'enfance euh, de l'ambassadeur, et suivi d'une abondante réception à l'ambassade. Puis des courses de chevaux, je vous montre le passage de cette course devant le palais Mancini sur le Corso. Résidence de euh, l'Académie de France à Rome. Peut-être il y a... Voilà. Alors, souvent étaient vainqueurs hein, les chevaux des euh, Rospigliosi qui faisaient euh, une peinture commémorative et qui donnaient les Rospigliosi de grandes fêtes dans leur jardin. Et ceci, ce sont des, des peintures de Réder qui euh, porte témoignage des fêtes des Rospiliosi en l'honneur des chevaux victorieux des courses. Alors, les, la fête elle-même dans le palais Farnèse. La grande attraction est donc réservée aux soirées dans le palais Farnèse, offerte avec grande générosité, toujours soulignée par l'ambassadeur lui-même. On dit que 25 000 lumières avaient été distribuées pour illuminer la place Farnèse et les palais des personnalités du parti français, bien entendu. Des pétards éclataient dans toute la ville et l'ambassadeur, une fois encore, avait emprunté le palais Farnèse pour les mêmes raisons de famille et de commodité et de symbole. Douze pièces du palais sont mobilisées, ce qui vous donne l'ampleur de la fête. Les portiques du rez-de-chaussée ont été recouverts de tapisseries des Gobelins et de Flandre, Et la grande salle du premier étage, c'est-à-dire l'actuel salon d'Hercule, est aménagée par un décor fixe, et donc par Gian Paolo Panini, en six semaines, transformée en théâtre dont les descriptions s'attardent. Sur les détails des architectures éphémères et de la scénographie, un temple dorique avec une profusion de lys, de roses, de poutis, des armes de France et de Bourgogne. Les couleurs sont en harmonie avec le bleu de France, souligné par l'or et l'argent. Sur la place, décorée de verdure et illuminée d'une quantité de, de, euh, de, de lumière, Éclatent les pétards et la musique. À l'intérieur, le premier soir, il y a une cantate, la pace universale et une réception. Le prétendant au trône de Grande-Bretagne est installé dans une loge face à la Seine, protégé par un baldaquin, entouré des ambassadeurs étrangers, des personnes de qualité. Et derrière, sur deux niveaux, ont été. Euh, construit des gradins pour les princesses et les dames de la noblesse romaine, surmonté d'une loggia. Les ambassadeurs euh, de France et de Venise sont près de la scène. On offre le livret de la composition musicale aux euh, personnalités présentes et à la fin, dans la galerie des Caraches, ici vous voyez le concert. En fait, une, ce sont des peintures. Attribué avec beaucoup de points d'interrogation selon moi, et dans une collection britannique, euh, attribué à Panini, mais arrivé très tardivement et attribué par le galeriste, donc, euh, alors que l'ambassadeur Nivernais n'a jamais fait de commande à Panini. Je vous montre, ça vous donne une idée, mais euh, bon, ça c'est le livret. De la cantate et la réception dans la galerie des Caraches, avec un délicat ambigu présenté dans une magnifique vaisselle, tandis que la noblesse était dans les autres salles, et euh, avec des buffets, avec des tables volantes, qui était nouveau et qui plaisait énormément. Pendant le dîner, le salon avait été libéré pour le bal, ouvert par euh, l'ambassadeur et. L'ambassadrice de Venise. Le second jour, la soirée est laissée au repos, mais il y a tout de même une réception et un bal à l'Académie de France à Rome. Le nouveau directeur Natoire fait un dessin conservé à Montpellier, mais euh, qui présente soit le bal, euh, il est daté de 1751, soit le bal de l'Académie, soit le bal du Falais Farnèse, on ne sait pas. Euh, J'accélère un petit peu parce que je pense que ça va être un petit peu trop long. Les descriptions qui sont très nombreuses, également les brochures publiées de cette célébration, racontent dans le détail les euh, vêtements, euh, des, notamment des personnalités de l'aristocratie romaine une femme qui était à la hussard, une autre en dragon, et avec euh, tous leurs joyaux et aussi couronnés de fleurs. On dit qu'il n'y a pas eu moins de 8 à 9 000 personnes dans euh, la grande salle pour la noblesse et que 30 000 personnes avaient circulé dans les autres pièces. Et euh, on donne le livret de la cantate, bien entendu. On offre plusieurs réceptions. Toute la nuit, il y a des réceptions en continuation. Et on avait parlé... Que euh, la fête aurait coûté 25 000 écus, ce que l'ambassadeur ne nie pas, mais euh, il dit qu'il n'aurait pas outrepassé euh, ses forces à ce point, mais il ne nie pas la dépense importante. Et ces fastes plaisent beaucoup à Versailles, qui se fait l'écho de la satisfaction du roi, qui euh, félicite l'ambassadeur de savoir contenter tout le monde sans se compromettre. En effet, la cour et la ville s'étaient retrouvées chez lui, et il avait même ouvert, en plus, le palais pour donner d'autres réceptions et d'autres représentations. Et il ouvre même un jour à tout le monde pour un bal masqué, c'est-à-dire un bal paré, comme on dit en France, mais à visage découvert, comme on faisait à Rome. Et chacun qui arrivait avec un vêtement donc de masques, euh, pouvaient entrer. Donc c'était libre d'ouverture, ce qui était absolument exceptionnel. Je vous montre aussi en 1751 comment un portionnaire de l'Académie de France à Rome, la Jean Barbeau, peint un projet de mascarade pour le carnaval, les quatre parties du monde, mais qui n'avait pas été réalisé. Pour vous montrer l'ensemble des... Festivités prévues et réalisées en 1751. Je vous montre seulement un exemple de l'activité euh, de l'ambassadeur ici sur un tableau toujours de Panini. Euh, la remise du cordon de l'ordre du Saint-Esprit par l'ambassadeur dans l'église nationale des Français au prince Vaini, qui le soir offre dans son palais une grande réception. Voyez que les Italiens sont impliqués pour conforter le réseau français. Passons maintenant à, dans un second moment, voyons le second XVIIIe siècle après le long baroque, le néoclassicisme. C'est le temps d'une crise de la papauté malgré les réformes du pape Benoît XIV. Rome s'ouvre aux idées nouvelles. Dans la seconde moitié du siècle, la fête publique est éclipsée par la fête privé avec l'épanouissement des salons où se développe une nouvelle sociabilité les initiatives d'abord des festives des ambassadeurs et de la noblesse la nouvelle sociabilité festive est marquée par les réceptions en musique évidemment certaines fêtes publiques se continuent mais domine alors l'espace la sociabilité des salons Prenons l'exemple du cardinal Bernice, ambassadeur de la France de 1769 à 1791. Il est rappelé, mais il reste jusqu'à sa mort à Rome en 94. Il est installé au palais de Carolis, que vous voyez sur la droite de l'image, un tableau attribué à Lint, qui montre la, le, le carnaval dans cette portion du Corso. Qui est un, territoire, un, un lieu français. Sur la gauche de l'image, on a le, la librairie française et au fond, sur la gauche, l'Académie de France à Rome, dont vous voyez une image ici du Palais Mancini sur une gravure de Piranèse. Alors, le. Euh L'ambassadeur le le, Bernice se doit bien évidemment de célébrer les euh, événements dynastiques. Tout d'abord, le mariage royal du dauphin et de Marie-Antoinette, mais euh, il ne donne pas... Un grand, il n'offre pas. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec Polignac et avec ses prédécesseurs. Donc, il fait autre chose. Bien entendu, il y a le tédéum à l'église. Et puis ensuite, il offre une réception dans sa résidence et dehors une symphonie jouée sur des instruments à et pour la naissance du dauphin en 1782, il consacre les 60 000 écus que le roi lui a donnés pour célébrer cette naissance à faire des dots pour les jeunes filles pauvres. Mais il paye sur ses propres deniers une cantate dont vous avez la brochure sous les yeux. Et, et également, il offre un magnifique dîner, parce que Bernice était célèbre pour les dîners et pour sa gastronomie. Il n'avait pas fondé sa diplomatie culturelle sur la visibilité de ses fêtes extérieures publiques, mais plutôt sur ses dîners et les fêtes intérieures. Et euh, il se démarque donc très nettement de Polignac. Et il le souligne très clairement dans sa correspondance. Euh, alors, les funérailles royales. Les funérailles royales, comme je vous disais pour commencer, sont commémorées par l'ambassadeur par de grandes cérémonies. Pour vous donner seulement une idée. Là, c'est évidemment Bernice qui célèbre, là je voulais vous montrer, en 1774 les funérailles, non pas à Saint-Louis où il y a un magnifique catafalque, mais on n'a pas d'image. Ça, c'est dans l'église de Saint-Jean de Latran, avec un somptueux catafalque de et le, où les, les, art, les ouvriers avaient travaillé très longtemps pour la réalisation. Mais euh, d'autre part, Bernice présidera les funérailles commémoratives pour Louis XVI et Marie-Antoinette en 1793 dans les églises françaises de Rome, malgré le temps de la Révolution. Et euh, je veux vous donner une idée donc de ces célébrations funéraires en 1711 pour le Dauphin de France qui n'a pas eu le temps de régner puisqu'il est mort, la décoration de l'église nationale Saint-Louis des Français et le magnifique catafalque à l'intérieur de l'église, réalisé par l'architecte français Louis le Gros, et une gravure de l'Italien Fredza. Et à la fin du siècle, en 1789, pour vous montrer l'évolution des styles, là on est dans le néoclassicisme. C'est le roi d'Espagne qui est commémoré par l'architecte Giuseppe Panini sur une gravure de Volpato. Et vous voyez ici le catafalque de plus près. Mais euh, il est tout, on peut parler de la cour des grands et tous les représentants des, euh, des souverains européens pendant tout le siècle. Organise de grandes cérémonies funéraires. L'accueil des personnalités étrangères et des voyageurs du Grand Tour par les ambassadeurs et la noblesse. Panini, peintre de la vie mondaine, en rencontre, comme par exemple la visite à Rome du roi de Naples, Charles III en 1744, qui va à Saint-Pierre et qui va à également vous avez sa peinture en haut pour Saint-Pierre et en bas il va rendre visite au pape dans sa résidence du pouvoir plus civil le pavillon de ce qu'on appelait le coffee house au Quirinal donc qui montre bien cette paire de peintures démontre l'unité du pouvoir pontifical religieux et civil le quartier des étrangers à Rome, c'est autour de la place d'Espagne, représentée sur une peinture de Panini. Et euh, une gravure de Alan à la fin du siècle montre l'arrivée d'un touriste anglais sur la place d'Espagne en carnaval. L'empereur Joseph II et son frère, le grand-duc de Toscane, représentés ici sur une peinture de Batoni, le grand célèbre protagoniste, Portraitistes romains de cette époque, ils sont en voyage à Rome en 1769 et ils sont reçus fastueusement par l'aristocratie romaine, même s'ils étaient incognito. Et notamment, je vous montre une image de la grande fête donnée par la famille Doria Pamphili, qui a un palais sur le Corso, un peu à côté du palais de Caroliste de Bernice. Et cette architecture éphémère a été construite uniquement pour la fête de 1769 par l'architecte du palais, Nicoletti, qui est aussi responsable de cette gravure aquarellée. C'est sur la cour du palais, au premier étage, est construite cette magnifique salle avec une voûte, tout cela en toile peinte, bien entendu, pour la réception et, le concert, donc euh, musical, et la réception, on offre en abondance à manger et à boire. Également des fêtes sur le Tibre, représentées ici par Joseph Vernet. Et le roi de Suède, Gustave III, est en voyage à Rome en 1783-84. Lui aussi reçu euh, royalement, bien entendu, avec, comme souvent pour les voyageurs de marque, on faisait la girandole du euh, euh, château Saint-Ange, représentée ici sur une peinture du français Després, et qui représente aussi l'ambassadeur, euh, qui représente, pardon, le roi euh, Gustave III, euh, qui assiste à la messe de Noël. À Saint-Pierre, bien qu'il soit luthérien, il visitait beaucoup le pape et beaucoup la basilique Saint-Pierre. Et il rencontre le peintre Després, qui invite à Stockholm, et il terminera sa carrière d'ailleurs à Stockholm. Également, il peint la cérémonie de la croix lumineuse avec la présence sur l'autel majeur de Saint-Pierre du roi. Et cette, ce rituel avait lieu pendant la semaine sainte dans la basilique Saint-Pierre. Et le roi, chaque soir, va au théâtre, dans les salons, il en visite plusieurs dans la soirée, et très souvent finit la soirée en dînant chez le cardinal, cardinal Bernice. Retrouvons Bernice, dont vous avez un portrait ici, et qui accueille... Très bien, les voyageurs qui racontent les réceptions d'ailleurs et ce devoir de réception de l'ambassadeur. Sa table est réputée et il regarde avec ses invités le carnaval sur, de, sur le corso. Ici, un tableau attribué à Panini euh, d'une mascarade turque, peut-être celle des pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Également, il voit passer les courses de chevaux sous ses fenêtres, également les chars, vous voyez ici toujours le palais Mancini, et puis ça ce sont les jeux traditionnels avec les masques traditionnels, le char des matis, des fous qui lancent des confettis, l'ours, la vieille, le cheval-jupon, tous les masques traditionnels. Et si c'est la fête finale du carnaval, qu'il voit aussi le jeu des moccoletti, où chacun a une lanterne que le voisin essaye d'éteindre euh, en lui faisant le souhait de mourir, parce que, comme le carnaval, meurt pour mieux revenir l'année suivante. Donc, euh, également, le. Euh, le, ce rite était apparu d'ailleurs des Mocoletti tardivement, tardivement en 1774. Et euh, très souvent, je disais, les personnalités sont incognito, non officielles, mais chacun sait qu'ils sont présents, puisqu'il y a la girandole qui euh, manifeste leur présence. Ici, un tableau de l'anglais white. Et d'ailleurs, Bernice prévenait le secrétaire d'État quand il recevait des personnalités étrangères. Toutefois, ce n'est pas toujours Bernice. Bernice est un de ceux qui font des réceptions. Et en 1775, pour l'élection du pape, c'est son ami, l'ambassadeur espagnol Azara, qui reçoit pour un grand banquet. Où la table est ornée avec ce qu'on appelait des triomphies, c'est-à-dire des petites sculptures en sucre ou en masse pain. Et là, c'était, vous voyez, le nom des différents pays européens. C'est à la gloire de l'Europe. On peut dire que l'Europe est sur la scène, comme je disais au début, mais elle est, elle est aussi sur la table. Concurrence et émulation festives sont donc fortes à Rome et Bernice qui sait qu'il peut pas rivaliser non plus avec les nobles romains s'empresse de faire un grand dîner pour Maximilien d'Autriche l'archiduc autrichien à Rome pour lequel on organise deux courses de chevaux et euh, il y assiste à la première du palais Rouspoli où une grande fête est donnée par le prince et à la seconde il assiste du palais euh, Kiji qui est sur la Piazza Colonna. Ici, vous voyez la colonne. Et le prince Kiji offre une magnifique machine. C'est la dernière que, et le, quasiment l'unique de la seconde moitié du siècle donnée par un noble romain pour un visiteur étranger. C'est euh, la représentation, l'évocation des forges de Vulcan et avec un long feu d'artifice et fontaine de vin sur la, pape, la place pour le peuple, et réception à l'intérieur. Arrivons au salon. L'évolution de la sociabilité. Festif, cosmopolite. Il y a encore très peu de cafés à Rome. Le café anglais ou le café Greco. Je vous montre une image de la fameuse salle rouge du café Greco créée en 1760 et qui existe toujours. Il y a aussi le café de qui, le café nuovo au Palais Ruspoli sur une gravure ici, qui concurrençait le, le café Veneziano ouvert un siècle avant. Les académies sont-elles de plus en plus spécialisées Donc on note surtout les salons. Les études récentes sont récentes sur les salons et peu nombreuses, mais elles contredisent la vision immobiliste et antimoderniste de la société romaine au XVIIIe siècle. Lieu de sociabilité informelle, probablement sur modèle français bien étudié celui-ci par Benedetta Craveri, ils apparaissent à Rome dans les années 1730 et sont qualifiés de conversation. On ne parle pas de salon à Rome, on parle toujours de conversation. C'est par commodité que j'ai parlé de salon. Plus tard, ils se développent et ont un grand rôle et visibilité dans la vie mondaine. C'est une forme de sociabilité où se joue un processus de reconnaissance et de distinction, pour reprendre le terme de Bourdieu, dans le milieu des élites sociales. Lieu de divertissement où l'opinion mondaine devient opinion publique. Salon comme lieu d'échange. Les salons romains sont tenus par les ambassadeurs les nobles romains, mais surtout les femmes, qui s'imposent comme médiatrices culturelles, accroissant ainsi leur culture et sont également productrices de savoir. Le salon est un lieu d'auto-éducation et de promotion des femmes dans une société ecclésiastique, cléricalisée et masculine. Les salons romains sont interprétés comme expression d'un processus de sécularisation dans la seconde moitié du siècle, où les femmes accèdent à un rôle culturel et politique qui jusque-là leur était nié, refusé. Les réunions des salons se tiennent à jour fixe dans la résidence de l'hôte pour des, des activités variées conversation et lecture à haute voix, musique et danse, parfois jeux. Un tableau de Duménil vous montre justement ces jeux de cartes dans un salon. Je suis désolée, la reproduction est un peu sombre. Au théâtre, ces assemblées se tiennent aussi dans les loges, meublées et illuminées, dans les loges de l'opéra, où les œuvres seront très longues. Parfois disent les sources un peu ennuyeuses, et où les conversations étaient fréquentes. Et le président de Brosse raconte qu'on y cause assis en cercle, parfois on joue pour remplir le vide des longs récitatifs. Lui-même aurait joué aux échecs. Et il raconte comment l'ambassadeur de France envoie ses officiers servir des glaces et des rafraîchissements dans toutes les loges des dames. L'aristocratie romaine reçoit aussi pour des conversations. Dans ces villas, avec les mêmes activités que dans ces palais. Dans les salons, les conversations sont parfois plus ludiques qu'intellectuelles. C'est une rencontre informelle de l'élite, où l'on retrouve les amis, les voyageurs, où l'on peut faire des connaissances, échanger des nouvelles, où les clientèles se fortifient. La littérature est présente et les livres interdits mis à l'index y circulent. Les livres mis à l'index circulaient beaucoup plus que ce qu'on ne croit. L'ornementation du palais s'expose ainsi que le luxe. Les réceptions offrent des mets et des boissons de qualité. C'est un lieu de représentation sociale. Il est essentiel de s'y montrer. Nous avons vu Gustave III, roi de Suède, qui les fréquente assidûment, et ensuite va dîner chez Bernice, qui lui aussi offre des conversations et des concerts. Donc lieu de rencontres mondaines, littéraires et aussi politiques. Alexandre Véry, devenu le jeune homme à la mode des salons, écrit à son frère en 1767 et décrit la curialisation de la vie mondaine avec l'accueil des cardinaux et aussi la politisation, notamment à propos des duchesses de Bracciano et de la princesse Saltieri. On discute aussi volontiers de l'art. Bergeret de Grandcourt, voyageur à Rome en 1773, fréquente les conversations ici. C'est surtout qu'il l'étouffe pendant deux heures et donc il crée lui-même sa propre conversation le dimanche matin où l'on discute d'art. Donc le salon peut servir le marché de l'art. Ces assemblées mondaines sont considérées comme utiles. Les cours les plus brillantes sont évidemment celles des cardinaux, des ambassadeurs étrangers. On y converse parfois en musique, on y consomme, comme on dit en abondance, du chocolat et de l'eau glacée, c'est-à-dire des glaces. Le salon est un élément du système intégré que forment les espaces de sociabilité romains. Là aussi se manifestent collaboration, concurrence et émulation, comme nous l'avons vu pour les fêtes. Les salons sont de deux types différents, de début de soirée tenus par les cardinaux pendant deux heures, où on discute euh, de littérature, mais on échange aussi les nouvelles, y compris les nouvelles politiques, et les salons de seconde soirée qui sont beaucoup plus longs, qui commencent à 22 heures selon notre horaire actuel, et qui peuvent se prolonger jusqu'au matin en été, chez les princesses Borghese, Doria Pamphili, Barberini, la marquise Virginia Patrizzi, la comtesse Bolognetti, etc., etc. Salons fréquentés aussi par les cardinaux, bien entendu. À la fin du siècle émergent les salons bourgeois tenus par des intellectuels et des artistes comme Angelica Go Kaufmann. Et je citerai seulement celui de Maria Pizzelli fille d'un avocat qui a reçu une bonne éducation, qui réussit à réunir, à réunir dans son palais des artistes comme Angelica Kaufmann, mais aussi Canova, et des gens de lettres. Alfieri, il lit sa tragédie Virginia en 1781, mais aussi on y trouvera Goethe, Herder, Alessandro Verri, et des nobles, les princes Odescalki, Kiji, des voyageurs, des religieux souvent liées à l'Arcadie dont l'hôtesse fait partie. Environ 30 personnes se retrouvent chaque semaine. C'est un lieu de diffusion d'une culture néoclassique, littéraire et arcadienne. Nous retrouvons Alessandro Verri, homme de lettres milanais, frère du célèbre économiste et écrivain des Lumières milanais, Pietro Verri, et euh, qui témoigne de la vie mondaine dans sa correspondance. Et on le retrouve chez la marquise Margherita Sparapani Gentili Boccapadule. Il la rencontre en 1767, dès son arrivée à Rome, après un voyage à Paris avec Beccaria, et il en restera proche et dans son palais, évidemment, euh, jusqu'à sa mort. Il fait, aussi, elle, alors. La Bocca dont je vais vous parler maintenant, et de son salon, bien entendu, elle fait partie également de l'Arcadie. Elle tient l'un des salons romains les plus animés. Elle est libre, car séparée de son mari en 1760 et disposant d'un confortable patrimoine qu'elle administre elle-même, elle dépensait sans compter, ce qui devait être parfois soutenu, y compris financièrement, par Alessandro Verri. Il la définit comme la seule européenne de Rome. À son contact, elle change de lecture et approfondit sa formation. Sa bibliothèque, 163 titres, est un instrument d'acculturation. Elle a en fait une vie de bourgeoise éclairée. Tous deux s'entourent de personnalités cultivées dans le domaine des arts et des sciences. Elle parlait le français et l'anglais, autodidacte. Elle avait la réputation d'une femme cultivée, dotée d'une grande sensibilité. À Rome, on connaissait ses relations intellectuelles, ses discussions, ses collections artistiques et scientifiques, son goût insatiable pour les objets d'art et d'antiquité. Elle était curieuse de tout, des nouveautés et du passé, et notamment des sciences naturelles, de physique expérimentale et d'astronomie et de sciences naturelles. Elle avait organisé un cabinet où l'on faisait des expériences. Par exemple, on y observait. Les comètes, sous le guide du fameux scientifique euh, français François Jacquier de l'ordre des minimes de la Trinité des mots. Et je passe sur la fin de sa vie qui est triste. Et mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle avait été au centre de la vie culturelle romaine. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est une pour montrer l'indifférence. Ça, c'est l'image de la marquise Virginia. Patrizi tenait un salon important dans son palais dans sa villa. Et ici, une image de la Boca Padule, dont je vais vous parler. Son salon est ouvert trois fois par semaine. C'est l'un des plus actifs, lieu à la mode de rencontres interdisciplinaires des intellectuels italiens et étrangers de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Fréquenté par Canova, avec lequel elle a un long échange épistolaire par Piranèse, par euh, Visconti et probablement par Winckelmann aussi. Elle promouvait les, art les artistes, les écrivains et s'employait à les faire publier. Son salon est donc un lieu de légitimation intellectuelle et sociale des écrivains, cabinet de lecture, lieu d'expérience, de concerts, de théâtre où elle jouait sur la scène avec ses invités. Elle récitait par exemple le théâtre du répertoire grec. Je vous montre une image qui est une vraie célébration symbolique du collectionnisme et du mécénat artistique et scientifique du XVIIIe siècle et de la modernité de la bocca Peinture de Laurent Pécheux, un Français qui est à Rome à ce moment-là comme une image photographique instantanée qui représente en 1777 la marquise, fière et élégante, dans son cabinet d'histoire naturelle. Elle est en représentation et vont montrer son apparence et sa personnalité. Aristocratique figure de mode qui se définit par le choix du vêtement, qui démontre sa modernité anti-courtisane. Sa mode est internationale. Sur les tableaux, elle porte un habit qui n'est pas à la française, mais à l'anglaise, plus beaucoup plus informel, type de vêtements plus adaptés à la marche et à la promenade. Il s'affirme dans les années 70 au moment d'une certaine anglomanie. Les couleurs sont différentes. La robe rouge, par exemple, qui témoigne de l'amélioration scientifique des techniques teinture, éclatante. La veste courte, le tissu, les tissus choisis sont des tissus précieux et euh, assortis à ses chaussures de la même couleur. Sa coiffure donne un effet de verticalité sans perruque, les cheveux sont retenus par un ruban orné de perles, de plumes d'autruche, là aussi tendance au naturel, Absence de perruque et de teinture. Certes, elle a du rouge à joues, comme vous le voyez, ce qui est en rapport avec un nouveau soin apporté au corps qui émerge, porteur de valeurs naturelles et individuelles pour contribuer à la définition de la personne. Relevant du choix de la marquise, deux chaînes descendent de sa ceinture pour deux horloges, invisibles et cachées dans une poche, selon la mode masculine, qu'elle n'hésite pas à adopter. À noter les caractéristiques donc du vêtement, l'absence du bustier rigide à baleine et de paniers volumineux comme les robes de cour en avaient. Et donc, symbole d'un rang social pour une société de cour. Le corps est libéré. Cette absence de contraintes est un signe de grande modernité contre la tradition aristocratique de cour. Un monde nouveau est ainsi annoncé l'emporte alors les valeurs de l'espace public dominé par la raison et par les idées de sociabilité, comme l'a écrit Daniel Roche. La nouveauté du vêtement est provocatrice pour le monde des apparences. Il démontre que la société de cours n'est plus la référence, mode de la nature contre l'artifice, plus fonctionnel, témoignage d'une nouvelle culture du corps. La peinture célèbre aussi un espace symbolique, puisque c'est le cabinet qui montre et elle montre d'une main sa collection de papillons, et de l'autre, elle tient un sarment de mûrier sur lequel s'agite une petite chenille, qui évoque l'élevage des verras de soie. La décoration du lieu est de style égyptien. Le, modil, le mobilier est à partir, il y a une table en particulier qui est sur euh, le modèle égyptien et sur une idée de Pyranèse qui crée d'ailleurs un, tout un décor dans le palais, un décor étrusque. C'est un espace, euh, on voit aussi euh, sur ce euh, tableau, si on avait un petit peu de temps, des machines qui étaient utilisées pour les expériences scientifiques. C'est donc un espace symbolique sur le, dans lequel chaque détail... Parle des intérêts de la maîtresse de maison et définit sa personnalité d'intellectuelle inhabituelle dans le panorama féminin de Rome, même à la fin du XVIIIe siècle. Margherita Boccapadule est donc une figure transgressive qui opère de la sphère privée à la sphère publique, politique. Alessandro Verri, dans une lettre à son frère, raconte en 1782 le salon. Comme lieu de diffusion des idées politiques européennes. Pour conclure sur les salons, les mêmes personnes fréquentent les mêmes salons, de la modernité et la littérature à la politique. Le salon est une institution clé du développement de la sphère publique, comme l'a défini Habermas, Le public, souvent complaisant, n'excluait pas totalement les critiques, surtout lieu de diffusion d'une culture classique, littéraire et arcadienne, et qui favorise une cohésion des milieux intellectuels, avec l'intégration de quelques femmes dans ces espaces socioculturels élargis, qui permettent des échanges informels intenses, ouvrant sur une influence politique croissante. On assiste à une politisation des échanges culturels sous le pontificat de Piscis Braschi à la fin du siècle. Conclusion générale. Au cours du XVIIIe siècle, nous avons constaté le passage de la fête publique à la fête privée. Le modèle festif de référence reste le modèle romain. Cette sociabilité de la représentation sert une stratégie de communication. La fête, objet artistique multiple, a également une fonction éducative. Le choix des artistes est rarement pour des raisons d'identité nationale, mais plutôt selon leurs compétences, notoriété et les recommandations. Nous sommes partis d'une inauguration de musée, terminons sur une autre, pour mettre en valeur la nouvelle politique culturelle des papes qui conditionne la vie culturelle romaine. Le 1er janvier 1784, le pape Piscis Braschi inaugure le musée du Vatican. Il y rencontre donc, à cette inauguration, le roi Gustave III de Suède, dont on, luthérien, dont on a déjà parlé, et un dialogue s'engage. Cette rencontre œcuménique autour d'une passion pour l'Antiquité, puisque c'est le musée des Antiquités dans le Vatican, est symbolique et pleine d'espoir pour des temps nouveaux. Le roi commande un tableau mémoriel de l'événement au peintre bourguignon Bénigne Gagnereau achevée en 1785 et qui partira à Stockholm, tandis que le pape commande une réplique qui sera livrée en 1785, toujours, aujourd'hui conservée à Prague. Cette représentation inspirée de l'école d'Athènes de Raphaël transmet un message irénique de conciliation et dialogue entre deux cultures, avec l'espoir d'une convergence entre la pensée antique, et la pensée chrétienne. Et le peintre Gagnereau apporte ainsi une conclusion inattendue au tableau de Panini que nous avons euh, sur les galeries romaines. Euh, qui euh, Voilà le tableau de Prague, qui est un, le détail de la rencontre entre le pape et le roi de Suède. Et je vous parlais de ces tableaux de Panini. Qui euh, commandé par l'ambassadeur Choisel, qui représente des galeries de la Rome antique et de la Rome moderne, donc la conciliation des deux cultures, conduisant à célébrer une Rome unique, à la fois historique et culturelle. Également retrouvant le message d'unité culturelle et politique. Tableau de, des tableaux de Panini que nous avons vus, la visite du roi de Naples à Saint Pierre et au Quirinal. Merci de votre attention.